Salut tout le monde, c'est Vince. Aujourd'hui, c'est le jour 27, je crois, du défi des 100 jours. J'avais fait le jour 24, mais je ne l'ai pas diffusé, malheureusement. Je vous le diffuse maintenant. Salut tout le monde, c'est Vince Movies. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le défi des 100 jours, saison 10, jour 24. Donc là, je pars bosser avec une putain de belle lumière. Vous pouvez la voir sur mon visage. Il fait super beau. Je pars bosser pour une entreprise, pour une boîte de prod. Là, on va faire une cohésion d'entreprise. Donc c'est ma première expérience. Ça va être juste extraordinaire. Et donc je voulais vous parler un petit peu voilà, du jour 24 parce que cette saison est simplement magique. Je n'ai jamais vu, alors attendez parce que là je me prends un virage. Je n'ai jamais passé une aussi belle saison de toute ma vie du défi des 100 jours. Je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le défi des 100 jours parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est vrai que pour la communauté du défi des 100 jours, c'est facile, les gens savent ce que c'est mais... Pour ceux qui ne savent pas, qui me suivent, qui veulent savoir, je vous expliquerai, je vous ferai une prochaine vidéo, je pense, plus simple voilà, d'explication sur le défi des 100 jours, parce que c'est vraiment une expérience extraordinaire qui se passe. Ça fait 10 saisons que je le fais, donc ça fait 100 jours x 10, donc on est à plus de 1000 jours de défi, sachant qu'il y a des saisons que j'ai oubliées. Et puis voilà, donc aujourd'hui, jour 24, il se passe des choses assez extraordinaires en ce moment dans ma vie parce que je suis revenu le week-end dernier, je vous ai pas fait de vidéo mais vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux et là je suis en train de monter un vlog que je vais mettre du coup sur cette chaîne YouTube qui est, j'ai fait donc l'élection de Miss Limousin le vendredi et le samedi j'étais sur le circuit des 24 heures du Mans pour une très très grosse journée, grosse soirée, donc j'ai dormi 1 heure sur 48, c'est juste extraordinaire, j'ai réussi à bien récupérer. Mais c'est aussi pour vous dire que voilà, depuis que j'ai mes bureaux, depuis que j'ai mon appartement, tout se goupille comme je veux, c'est-à-dire que c'est des intentions que j'avais posées il y a déjà pas mal de saisons en arrière, 4 saisons peut-être, et le fait de ça y est, de les avoir, maintenant de me lever le matin, d'aller au bureau, donc maintenant j'arrive à... Le fait d'aller maintenant au bureau, de me lever le matin à 7h ou 6h et de me dire allez hop je vais au bureau, ben ça me motive beaucoup plus pour mes projets. Donc j'ai beaucoup de retard dans mes projets parce que j'ai beaucoup de projets qui se tournent en ce moment. Là par exemple je pars en tournage donc ça veut dire que je ne peux pas monter les vidéos que j'ai en retard. Demain j'ai un mariage donc je ne peux pas monter non plus les vidéos. Le dimanche je suis pas chez moi donc voilà je prends 3 jours de retard donc du coup c'est des tournages qui s'enchaînent et qui se suivent. C'est juste extraordinaire, c'est bien parce que c'est ce que je voulais, avoir autant de contrats, avoir autant de boulot. Mais c'est vrai que là j'ai du mal à tenir la distance. Donc là il y a un truc qui est extraordinaire aussi, c'est que mon petit stagiaire que j'avais en début d'année revient du coup lundi pendant 4 semaines. Donc là il va pouvoir me donner un très très gros coup de main et ça va être bien, très très bien pour terminer mes projets en retard et pour en commencer des nouveaux et pour en faire des nouveaux et en proposer des nouveaux. Donc c'est juste extraordinaire. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais posé une intention plus personnelle dans le sens où je voulais faire du saut en parachute, je voulais faire de la plongée. Et figurez-vous que hier, c'était hier matin je crois, donc dans l'espace de coworking où je suis avec pas mal de coworkers, voilà, il y avait une personne qui parlait dans l'espace café. Et puis je l'entendais parler de plongée. Bon, et puis comme je le connais, je lui ai demandé, je lui ai dit, mais tu plonges toi? Il m'a dit, oui, oui, je fais des baptêmes de plongée et tout. Et là, je le regarde et j'ai dit, ah, c'est mon rêve, enfin, c'est un de mes rêves de plonger. Bah écoute, tu viens, piscine de Brive, on te fait un baptême. Ah ouais, comme ça, cash, comme ça. Ok. Et donc, moi, en contrepartie, je vais filmer. Donc, ce qui est pas mal, c'est que je gère ça la semaine prochaine. Donc, je vais faire de la spéléo, je vais faire de la plongée, je vais faire du parapente très prochainement. Je suis en train d'attirer mes trucs à moi. Mais c'est des concours de circonstances qui sont juste magiques parce que cette personne-là qui est dans mon bureau fait de la plongée, a un club de plongée, façon de parler, mais est dans le milieu de la plongée. Et en plus, il connaît, c'est ça qui est marrant, c'est que là, il y a plus d'un mois, j'ai fait un tour de gyrocoptère, donc j'ai fait mon baptême de l'air. Je lui en ai parlé. Et bizarrement, il connaît la personne qui m'a fait mon baptême de l'air. Donc l'après-midi, il parlait avec lui. Il disait, j'ai rencontré Vince. Donc c'est ça qui est marrant. C'est tous ces concours de circonstances qui sont juste extraordinaires et qui sont en adéquation avec ce que je veux. Donc du coup, voilà, on va préparer tout ça et puis je vous ferai des vidéos sur ça. Ça va être juste extraordinaire. Donc là, je pars bosser. Une journée qui va s'annoncer extraordinaire aussi. Donc ce soir, je pars filmer aussi dès que je rentre là vers 18h. Faire des plans de la salle de mariage de demain. Et puis demain, mariage. Voilà.
Donc en tout cas les amis, je vous fais de gros bisous. Je sais pas si je vais mettre cette vidéo aujourd'hui ou si je la mettrai demain, on verra en fonction de la connexion et du temps. Et puis je vous dis à la prochaine les amis. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a inspiré cette vidéo, à mettre un petit commentaire si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine les amis. Bye. Et voilà, j'ai pas eu le temps de le diffuser parce que j'étais rentré du coup je suis rentré chez moi à Souillac, donc il n'y a pas une connexion super top. Là ici il y a la 4G et il y a la fibre, donc c'est beaucoup plus pratique pour mettre des vidéos et plus rapidement. Et là en fait on est lundi, on est le jour 27 et je vais récupérer à la gare mon stagiaire du début d'année. Donc là ça me fait super plaisir parce que j'ai énormément de projets en ce moment qui sont tombés, que j'ai en retard, qui sont juste extraordinaires. Et là mon stagiaire sera dans mes locaux du coup au 400. Donc du coup on a des vrais bureaux, on a des studios, on a des trucs de dingue qui arrivent. Et là je vais le chercher à la gare, donc je vous montre ça en image, bye. Il est là mon sauveur, il est là. Je suis avec mon petit stagiaire qui était venu en début d'année. Un petit mot? Bah, je suis content de revenir. Oh super, nickel. Là ce qui est bien en plus c'est qu'on est à Brive du coup maintenant, j'ai mes locaux, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure en vidéo. Ce qui est pratique c'est qu'au moins maintenant il va pouvoir bosser Kiki, parce que en fait en début d'année il bossait pas. Donc du coup là ça va être trop bien. Voilà. Les joies. Elle est ouverte? Non elle est pas ouverte. Merde, attends. Non. Donc c'est trop cool, voilà, mon stagiaire qui est revenu. Comme quoi quand on aime, on revient. Quand on aime, on compte pas. Donc du coup, bah écoutez, je vous laisse là sur ce petit vlog très rapide parce que il me dit ça y est, tu t'es mis au vlog. Je suis pas même accessible. Ah si, je suis remis. Donc voilà les amis, à plus, on se verra plus dans la semaine. Bye.